Salut à tous et à toutes, c'est Balrog et on se retrouve pour la suite de Star Wars, toujours en compagnie de Benji évidemment. Recoucou. Poivre, je vais pas le dire. Bah si, il a déjà fait un, là c'est le deuxième. C'est vrai, enfin, nous se comprenons. Donc nous allons voir ton maître qui te déteste, mais à un point... Eh bien, moi qui m'attendais à devoir encore supprimer un acolyte, cette peine va m'être épargnée. Sans surprise, Nilok manque à l'appel. C'est également sans surprise que Fon a réussi sa première comparé aux autres. Dans le temps, il vous piétinera. Moi, je suis une fille. Je vais te mettre en pièces sur le champ, esclave. Patience, Fon. Un accident dans les tombeaux serait bien plus convaincant. J'ai trop envie, là. Maintenant que vous connaissez votre prochaine mission, fichez le camp. Ouais. Je veux parler à Fon et à notre retardataire. Alors, esclave, Zin dit que tu t'en es sorti à merveille, et bien que je trouve ça difficile à croire, le seigneur Zash est satisfait de ton évaluation. Le seigneur Zash ? De toute évidence, Zin t'a aidé d'une manière ou d'une autre. Évidemment, je me rappelle de tous les noms. Ce ne sera pas le cas lors de la prochaine épreuve. Zin t'a aidé. Avec Fon, vous allez passer des épreuves d'intelligence afin de tester votre aptitude à utiliser votre compréhension de la force pour résoudre des problèmes. Un esclave ne peut pas me battre au niveau intellectuel. Et alors ? J'ai été instruit par les plus grands professeurs. Du calme, Fon. Je sais que cet esclave ne t'arrive pas à la cheville. Vous aurez donc des épreuves différentes. Vraiment, toute cette générosité me surprend. Tu es en train de creuser ta propre tête. Fon, tu vas aller à la bibliothèque, au deuxième étage de l'académie, et traduire les textes suivants pour le seigneur Zash. Oui, surveillant. Esclave, dans le tombeau ancestral et infesté de monstres de Markaragnos, il y a un holocron encastré dans un grand monument en pierre et qui contient de sombres secrets. Personne n'a réussi à libérer l'holocron de sa prison de pierre en plus d'un millier d'années. Rapporte-moi cet holocron ou tu mourras. Ah, je préfère ma quête que la sienne, hein. Ouais, c'est putain. C'est lui, il lit et moi je me bats. J'avoue. Eh bien, c'est mieux que d'aller à la bibliothèque. Exactement. Voilà. C'est bien un discours d'imbécile. Tu dois me ramener l'holocron ou prier Baston. Pour que l'esprit de Markaragnos en personne se réveille pour achever ta misérable existence. Maintenant, vas-y. Hop, allez, maintenant on va voir. Hein, moins 100, côté obscur. Fais chier. Moins 100. Ouais. Hop. À gauche. Ah, t'es loin, toi. C'est loin, c'est en face. On va s'amuser un peu avant. Allez, oh. Hey, hey. Que ça foutre. Ouais. Attends, c'est à gauche. Droit. Alors, esclave, comment vas-tu aujourd'hui? Ça. Ça va, t'as pas encore traité comme une merde l'autre. Bah, une fois que j'aurais pété la gueule, c'est bon, hein. Eh, mais comment il te déteste. J'ai jamais vu un mec détester autant quelqu'un, bon, à part Dupin. C'est tout? C'est tout ce que le seigneur Renning a pu obtenir, oui. Alors retournez voir votre maître dans l'enclos des bêtes, avant que je ne vous coupe en deux. Couper en deux? Navré de vous avoir bah, fait ouais. Attendre. Et c'est bon laser? Ces interruptions bah, moi, j'ai pas sont agaçantes. Bon laser pour l'instant. Ah, mais, revenons-en oui. À ce qui nous occupe. Votre épreuve dans la prison. Tu vois ce qu'il a à sa gauche là? L'assassin Solace. Oui, lui là. Elle a essayé de tuer un espion impérial, mais ignorait pour qui elle travaillait. Pourquoi avez-vous choisi le duel? Parce que c'était méchant. Pour le plaisir. Ça m'a amusé. Ça vous pose un problème? Ne jamais gâcher une ressource potentielle. Un assassin expérimenté qui fait preuve de courage et d'amoralité? L'Empire aurait pu exploiter ses compétences. J'aurais bien voulu exploiter à présent, ses compétences, mais c'était du côté l'ancien lumineux. Guerrier. Vous voulez le duel, mais vous l'avez abattu. Parfait. Cet homme ne servait absolument à rien. Je ne choisis jamais de perdre mon temps. Voilà. Une fois qu'une chose a fini de servir, il faut l'éliminer. La discrétion, c'est à pour présent, le faussaire qui clamait son innocence. Vous avez refusé de vous occuper de lui. Expliquez-vous. On a des choses plus importantes à faire que de traiter avec des gens comme lui, n'est-ce pas? Faux. Ce manque de professionnalisme merde. Est inacceptable. Merde. L'affaire reste en suspens. Et certaines choses finissent par passer à la trappe quand on les néglige. Peu importe qu'elles aient l'air insignifiantes,
il faut prendre une décision. Merde, j'ai chié. Il faut toujours étudier le problème sous toutes ses coutures. Outre la force et le talent, c'est ce qui impressionnera Barras. Je sais même pas qui c'est. Vous commencez à comprendre ce que ça signifie d'être un Sith. Mais vous êtes encore loin d'être en mesure d'impressionner Dark Barras. Je ferai plus d'efforts, surveillant. Je vous le promets. Si vous n'en faites pas, on va calmer un peu le jeu parce que là, il est pas content. Ne l'oubliez pas. Je vous ai fait entrer à l'académie plus tôt que prévu. Barras aura donc tendance à vous juger plus sévèrement. Et par sévèrement, je veux dire mortellement. Ah ouais. Maintenant, on doit vite passer à l'épreuve suivante. Plus le temps passe, plus on risque d'être découvert avant d'être prêt. Marc Aragnos a laissé dans ses cavernes une créature pour protéger son héritage. Allez là-bas, asseyez-vous au milieu des flammes et attendez que la créature vienne vous trouver. C'est une belle opportunité de recourir à la violence. Ne retenez rien. Cette créature est la mort incarnée. Retournez dans la vallée des Seigneurs Noirs et retrouvez le tombeau de Marc Aragnos. Ouais. Je vous verrai quand vous aurez tué la bête. Bonne chance. Alors là, j'ai un nouveau torse. Hop là. Allez en taxi à prendre le fly. Ah. Le comment il avait appelé ça déjà? Je ne sais plus le nom qu'il avait donné, le nom bizarre. Le tut-tut, non? Le tut-tut. Allez, à prendre le tut-tut. Make. Allez. Oui. Bon, donc c'est à gauche. Il faut taper. Faut cliquer sur le truc là. Je l'ai fait ça moi tout à l'heure. Ah, une quête à prendre ici. Levez-vous et expliquez-vous, acolyte. Voyons ce dont vous êtes capable. J'ai pas à m'expliquer. Je vous regarde et je me demande. Êtes-vous d'une loyauté à toute épreuve ou dissimulez-vous la trahison dans votre cœur? J'appartiens à une grande lignée de Sith. Comment osez-vous me poser cette question? Non mais où? J'obéis aux ordres de l'Empereur. Votre héritage ne vous place pas au-dessus de tout soupçon. Et il n'y a aucune raison que ce soit le cas. Selon les rapports des services secrets, cette vallée abrite des traîtres, des acolytes qui cherchent à détruire l'ordre que notre empereur a bâti avec soin et à le remplacer par leur hérésie pour les faibles d'esprit. Ils se cachent parmi les fidèles, mais ne vous trompez pas. Ils nous détruiront tous dès qu'ils en auront l'occasion. On a observé les traîtres traverser la vallée et comploter contre nous. On connaît leur visage et leur nom. C'est la volonté de l'empereur que les sables de Korriban soient baignés du sang de ces traîtres. Si tu le dis. Montrez-nous votre loyauté en les exécutant. Vous êtes sûr qu'on ne devrait pas se contenter de les arrêter? Ils pourraient se rendre compte de leur erreur. La trahison est un crime qui appelle une seule sentence, la mort. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas vous résoudre à appliquer cette loi, ça en dit long sur vous. Je vous donnerai les moyens d'identifier les traîtres. Éliminez-en suffisamment pour prouver votre loyauté et retournez voir l'inquisiteur Arzanon. Je suivrai vos progrès avec beaucoup d'intérêt. Partez maintenant. Que la volonté de l'empereur soit faite. Ça marche. Ok. Bah en plus, ouais, bon, on reste. Faut rester là. Hop. Allons chercher des traîtres. Parce que la traîtrise, c'est mal, vous voyez. Ça va pas le faire. Oh. Hey, toi, est-ce que t'es un traître? Toi, vas-y. Non. J'ai fait se lever. Hey, toi, est-ce que t'es un traître? Ah, elle a l'air d'être un traître, je peux lui parler? Ah, mais non, je vois, t'as pas le droit. Ah, non, c'est une sentinelle, d'accord.
palais initié. Enfin, pareil, faut utiliser le machin là. Ah ouais, c'est ça les gens. Odo. Je vous ai fait. Eh vous, est-ce que vous êtes des traîtres? Ah, c'est bien. Allez, pique de traître. Je cherche les traîtres. Je cherche les traîtres pas chers. Et toi, est-ce que t'es un traître? Et toi, à quoi tu traîtres? À quoi tu traîtres? Oui, je sais pas. Ah, lui, c'est méchant. Attends moi, il a tué. Et toi, es-tu un traître? Non. Non. Et toi? Tu le tues quand même. Toi la dernière. Non. Ils sont nuls de pas être des traîtres. Plein de morts par terre. Il y avait autant de traîtres que ça quand même. Wow. Ah les sites, c'est plus ce que c'était. Heureusement qu'on est là. Ouais. Attends, les sites, tu vas être gentil quoi. On va montrer le level. Mais c'était pas un traître, c'est du vent. Ouais, mais là c'est un traître. Parce que t'as vu, on a vu son pote. D'accord. Ah mais c'est pas dans la base de données mais il le devient. Voilà. D'accord. C'est quoi les bruits que tu fais en fait? Je sais pas moi. Bon bah attends, je vais aller voir le truc. C'est ça. Eh toi. Je vous ai observé pendant que vous vous occupiez de ces traîtres. Beau travail. Cette manifestation de votre volonté m'a impressionné. Prenez cette récompense en gage des grâces de l'Empereur et portez ce badge. C'est la marque des défenseurs de notre empire. Merci beaucoup, restez vigilantes. Nos ennemis se cachent là où on les attend le moins. Okay. Ouais, maintenant on prend notre... C'est le robot, ça va. À votre service, excellence. Amène-moi au contrée sauvage. Itinéraire confirmé. Ah, ça, c'est pas un speeder, c'est un vaisseau là, carrément. Oh, j'ai deux places, j'aurais pu venir avec toi. J'avoue. Hey, chérie, je vais te faire un tour. Non, c'est bon, en fait, je suis bien dans le mien. J'ai une vraie grosse voiture. Non, en fait, je suis très bien dans le mien. À rendre. Explorer le tombeau de Marcarius. Et toi, t'as une quête, je crois. Hé, hey, l'ami, si vous vous êtes fait jeter par le Toucatars, le seigneur Varasen paie en crédit pour des extraits de moelle osseuse. Oh. Varasen réalise des sortes d'expériences pour le seigneur Renning. Moins on en sait, mieux c'est quoi le maquillage qu'ils ont, quoi? D'accord. Il faut trouver des os. Il tue pour trouver des os. Oui, il nous paye pour trouver des os, plutôt. Prends le truc, ici. Ouais, j'ai pris. Ah, moi, j'ai pas pris. Ah, donc, y'a pas un vendeur, j'ai plein de trucs à vendre. J'ai le meilleur matériel, ouais, et les meilleurs prix. C'est nul. Bon, pas tes potions non plus. Hein. Non, 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 attends. Pff, tu me prends pour qui? Ça dégage, ça je garde.
ça c'est... Voilà. Les potions. Dans ma barre. Bonne chasse. Voilà. Je suis paré à aller chasser des Tukata. Je crois que c'est ça. Que fais-tu? Je vends. Vas-y. Bah oui. Attends, je me... Bon, c'est quoi Tukata? C'est une chèvre. Je dirais. Un bélier. Une chèvre? C'est nul aussi. Mais c'est quoi cette avance que t'as là? J'ai déjà 3. J'ai 3 machins. Ça, ça va vite. Dans ta gueule. Ouais, là, il va. Hey. One shot. The jump, quoi. Ah, ça lui tue. Pas mal pour engager les combats. Hop. On va lui rendre maintenant la quête. Non, j'en ai que 3 moi. Ah, de toute façon, il fallait toujours. Ah, bah, moi, je les ai tous. Oh. Tu vas où? Je crois qu'il y a un meuble là. Bon, tant pis. C'est bon, tu es là? Oh là là. Ouais, tout droit. Ah, il y a un truc. Eh, regarde! Il y a un truc violet sur la colline que je regarde là-bas. Ah ouais. C'est quoi? Bah on y va. On y va comment? On va faire le tour. Bah ouais, je crois que c'est ça le moyen en fait. Je demande ce que c'est. Ouais, moi aussi je me demande bien ce que c'est. J'espère que c'est bien. Ça peut être que bien. De toute façon, ouais, j'espère. Donc là, je vais continuer à droite. Rien à foutre du reste. Quoi qu'on veut une quête avant. C'est juste de faire des allers-retours. Ah, des extraits de moelle osseuse. Le seigneur Reling sera content. Tu peux partir. Ok, c'est tout. Oh, des gants, rapide. Donne... Oh, il y a le fly là. Ah, il donne des gants. Il y a un fly? Ah, il est au-dessus. Ah, d'accord. Pour ça, j'arrive pas à le prendre. tu n'as pas un turbo point. Je vois la référence. Ah, bah ouais, on peut le gonver maintenant. Affichage des destinations autorisées. Bon, bah, par contre, pour descendre, on saute. Hein. Bon, où faut-il? Allez, tiens, une quête à prendre. T'es moche. Seigneur Reining. Ah non, attends. Je fais la converse. Yeah. Comme ça, je vais montrer Lolo appelle. Ah, d'accord. C'est plutôt pratique. En plus, ça suit sur toute la map, d'après ce qu'on a vu. Ouais, ah, c'est ça. C'est vraiment hyper pratique. Je savais qu'on évaluait les compétences des aliens qui veulent devenir des Sith. C'est fascinant de pouvoir enfin rencontrer un sujet de test. Je suppose que la vue d'une table d'opération un peu sale ne te dérange pas. Les choses mortes ne me font pas peur. Très bien. Tout à fait. Très bien. Mais qui est en hologramme. Et l'absence de peur et le véritable intérêt ne sont pas la même chose. C'était un Tukata. Les créatures semblables à des chiens qui infestent les tombeaux des chiens. Ouais, des chiens, des boucs, c'est pas en vrai. Surface, rien de chèvre. Mais je suis le seul à voir que cette créature est une expression de l'énergie du côté obscur. L'agressivité incarnée. Quel narcissisme. J'ai scruté les profondeurs de la vie. Et j'y ai découvert des révélations auxquelles les autres n'ont fait que rêver. La force est vivante. Elle exprime sa volonté dans le monde physique. Ce Tukata était une de ses formes. Si tu le dis. Waouh.
La force n'est pas plus vivante que votre bête. J'ai mis la même chose à deux. Ouvre les yeux. J'ai disséqué des centaines de Tukata et j'ai établi une connexion directe avec le côté obscur. Chaque bête que j'examine me rapproche un peu plus de l'unité parfaite. Oh. J'ai atteint une nouvelle frontière, mais je ne peux plus avancer. Mon spécimen le plus parfait, un mutant Tukata, s'est réfugié dans les tombeaux avant que je puisse l'analyser. La galaxie est un endroit pénible. Je ne comprends pas. J'ai perdu une clé essentielle qui m'aurait permis d'accéder à la véritable essence du côté obscur. Vous, les acolytes, vous fouillez ces tombeaux au cours de vos épreuves. Vous pourriez chasser ce Tukata et me ramener son cerveau parfait. Ah, parce qu'un cerveau parfait. Fatima Laura a vu dans quel tombeau le mutant est allé. Je te passe les miens, ça marchera. Aide-moi. Et tu seras récompensé. Ah, il y a de la thune. Je parlerai à Malora et je ferai le nécessaire, Excellence. Excellence. Tu as découvert une belle vocation à mon service. J'espère que tu apprécies. On va aller à côté. Ah, bah tiens, juste à côté. Vous cherchez l'animal de compagnie du seigneur Renning, c'est ça? Ne perdez pas votre temps. Les recherches de cet abruti n'ont aucun sens. Je me disais que ce serait une bonne distraction. Je suis ravie de ne pas être la seule à voir clair dans les divagations de mon maître. Alors pourquoi elle l'a choisi comme maître? Renning fait croire au Conseil Noir que c'est progresser la connaissance. Non, moi j'ai pas choisi d'autre con, hein. Il gâche les ressources de l'Empire et lui fait perdre du temps en disséquant des animaux stupides. Mais si ses expériences étaient discréditées, il serait banni. Et je serai récompensé. Vous complotez pour vous débarrasser de votre maître. Rien de plus. Mon destin ne se limite pas à servir d'assistante de recherche dans cet endroit minable qui nous sert de laboratoire. Écoutez, une petite modification du cerveau d'un Tukata mutant me permettrait de révéler l'imposture de mon maître. Apportez-moi le cerveau avant de le donner au seigneur Renning. Vous ne le regretterez pas. Il doit y avoir un moyen de résoudre ce problème. Parfait. Marché conclu alors. Le Tukata mutant s'est réfugié dans le tombeau de Marc Aragnos. Il est beaucoup plus grand que les autres. Vous le trouverez facilement. Rapportez-moi le cerveau avant de voir le seigneur Renning. Je m'occuperai du reste. Bon, on va la voir elle, hein. Je sais pas. On va modifier le cerveau d'un... On prend le fly pour aller là-haut. Ah non, on fait le chemin pour le truc. Ah oui, faut aller voir le machin violet là. Par là? Non, c'est par là. Mais non, par là, tu te rappelles, il y avait une montagne. C'est vrai. En plus, il y a une quête là. En plus, il y a une quête là. Hop, par terre. Ah, ça n'appelle en plus. Genre. Sergent Garrus. Les rumeurs étaient fondées. Certaines des sentinelles qu'on a perdues ici ne sont pas mortes. Elles ont perdu la tête, comme les acolytes. Mais ça ne veut pas dire que ça va être plus facile de ramener le matériel de recherche. Les caisses sont fermées par des serrures multiples. Si on veut les ouvrir sans abîmer ce qu'il y a dedans, on va devoir récupérer les cylindres codés de toutes les sentinelles. Je ne pense pas que la négociation soit une option. Les hommes n'ont pas vraiment envie d'attaquer leurs anciens camarades, mais on fera de notre mieux. Une fois qu'on aura les cylindres codés, on ouvrira les caisses de matériel et on rentrera. Terminé. Okay. Alors... Bon, j'ai l'impression qu'il faut tuer les mecs pour avoir les clés, non? Je sais pas, c'est à gauche. Oh, c'est bien, ça me donne le bonus quand même. C'est trop dur, ça va? C'est trop dur. Tu peux imaginer. Mais ça va pour sauver quelqu'un, laisse-moi. Reviens ici. Tu es 15 quand même. Ah mais j'ai un officier moi. Oh,
Bon, tu vas le... Hey, tu le prends ton machin, oui ou merde? Quel machin? Bah, le machin à prendre ici. Bah, je tue les mobs avant. Ouais, c'est plus marrant. Voilà, j'ai pris mon machin. Faut monter maintenant. Ouais, maintenant on va chercher le machin violet. Donc il est par là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien. Oh, t'as eu peur là! Arrête de faire ça! C'est trop marrant! Alors, un machin, je vais dire, ah, c'est des boîtes! Mais elles sont violettes là, c'était bleu là-bas. Ouais, bah là, elles sont violettes. Alors, vous avez trouvé un datacron, une technologie ancestrale, blablabla. C'est volonté! Alors, la volonté, c'est quoi déjà? C'est le vouloir. Quand tu veux, tu peux. Volonté plus 2. Ok. Bah c'est un petit bonus. Ouais, ah. Tête. Alors volonté. Ah c'est pas pour moi la volonté, c'est aptitude avec les pouvoirs de la force. C'est pour les mages. Moi d'aptitude et pouvoirs avec de la force. Ouais. Ah moi je veux quoi? Endurance et. Bonus ouais, de dégâts en mêlée. Bonus de critique en mêlée, bonus de dégâts de force, bonus de critique de force. Si, ça fait de dégâts et de critique mêlée aussi. D'accord. Ça donne des bonus de dégâts en mêlée, de critique en mêlée. La volonté? Ouais. Ah ouais. Ouais. Il y aura qu'un sorbe laser quoi, donc c'est bien pour toi aussi. Ouais, c'est bien, mais c'est pas le meilleur. Moi, c'est vigueur que je l'up. Ouais. Oh, j'ai fait une roulade. Ah ouais. Alors. Non, c'est à gauche, mec. Oh, on me tape. Vite, je vais mourir. Je te sauve la vie. Ah, c'est fiché, c'est pour ça que j'ai mal. Oh, il a lance grenade. Noob. Et je vous lance patate en plus, quoi. Noob. Kiko Koloff. Mec, qui fait les 360 questions. Wouhouhou! Oula, c'est pas bizarre. Hein. Les combats au corps à corps sont bien faits, j'aime bien. Je suis allé là-bas, de l'autre côté. J'arrive, on est pas pressé, t'inquiète. J'adore les fois de la force quand même, les éclairs. Trop stylé. C'est la classe. Non, mais tu vas le prendre, il va disparaître. Voilà. Il disparaît? Ouais, je dois attendre. Ouais, il réapparaît. Ah, t'attends longtemps. Ouais, c'est trop long, hein. Maintenant, faut aller. Bon, on va prendre le chemin. Ouais, faut aller ou aller à l'intérieur ou prendre le chemin. Ou aller à l'intérieur. Ah, j'ai des postes. Non. Oh, cyclone. Ouais. Et plein niveau, sort niveau 2. Je me disais que ça faisait pas beaucoup de dégâts. Hop. Un tronc dans ce tombeau. Qu'on est en bas. Et. On va faire quoi ici? Rentrer dans la salle des sépultures.
Voilà. Et là en face. Ramasser une larve de Limas, je sais pas. Ramasser une larve de Limas, ouais. C'est quoi ça? Armure légère? Ouais, c'est pour moi. Ah bah voilà, c'est fait. Donc c'est pour quoi faire en fait ce truc? Bah non, faut le mettre dans la salle à côté, je crois. Ah, c'est ça. Ah, faut le mettre où? Là-dedans. Dans la boîte? Ouais. Non, dessus. Ah, je disais. Bon, et maintenant? Ah. C'est lui qui est plus gros que les autres. Il est plus gros, on est. Ah, il a des grosses dents. Mais il est nul. Ça est, plus gros, plus moche, hein. Ah. Eh, pourquoi là, on peut cliquer sur le coffre? Comment là? Parce que. Bah, on a là ouvert, donc on attend qu'il se referme, non? Non. 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 Allez. Pff, trop long. Ah mais il est disparu. Ah ouais carrément. Ah ouais carrément. Pas d'autre coffre. Ouais je... C'est fait ninja un coffre. Pour tout mon stuff. Jeune stuff. Faut aller par où? Bah on continue à monter. Bah ouais. Juste par il faut aller. Ah, bon, c'est... Ouais dégagé. Ouais un truc vert. Y'a un. Le mob il était mort, je continue mes éclairs quoi. Normal. Ouais. C'est pas c'est du salut. Ah mais. Et il est mort. Y'a rien du tout en fait, ça a rien. Y'a un truc à droite. Ah c'est le dernier coffre ouais. Moi je pense. Oh non, faut attendre. Wow. Ouais, il est pris devant nous quoi. Oh, je l'ai eu. Oui, je le prends, mais t'arrives à le prendre quand même. Oui, oui. Et on l'a pris en même temps. On l'a coupé en deux. Hop. C'est quand même vous. C'est normal, c'est vrai. Tu sens normal que le mec il prend devant nous et qu'il revient. Voilà. Ah, oh, on se bat contre des vos acolytes. Ça commence à devenir des agresseurs sérieux. Bah, quoi. Ah, faut choisir un titre. Acolyte Ballard. Oh putain, faut être abonné. Allez, ouais, il faut payer pour tout. Ah, j'ai un cri de force maintenant. Qu'est-ce que tu fais? J'ai des mecs. Tu viens? Et y'a un con qui est venu m'aider, donc pas plein. Bah attends-moi, c'est dans ta vase. Oui, je sais. Ah, d'accord. Attends, quand même. Propriété Balrog, c'était écrit. Mais c'est ta propriété. Édité sur l'ancienne graveur site. Édité. Oh! C'est une grosse tablure en effet. C'est stylé quand même.
un endroit mystique. De faire quoi toi déjà? Moi je médite. D'accord, je médite avec toi. 7 secondes de méditation. Je te fais trop lever. Ah ok, tu médites. Ah bah voilà. Ah bah enfin du mob. À peu près puissant. Ah il part quand même. Bah midlife hein, quand même, un deux. Genre du stuff pour moi. Armure légère, lol. Bon bah, on va pas se plaindre. Putain, bah, tu vas pas te plaindre. Non, non, ceux qui vont regarder cette vidéo ne vont pas se plaindre non plus. Putain, c'est pas juste. En tout cas, ils ont pas intérêt. Je suis en combat, je peux pas rentrer. Je suis fiché. Voilà. Que d'air. Tu peux attaquer? Non, attends-moi, je peux attaquer. Oh putain, mais. Tiens, vous aimez la foudre, hein. Ah, je peux la porter, hein, de Xerath. Oui. Putain, tu veux la portée de la foudre, elle est moins grande que la portée de ton bon. Ah oui, quand même. Alors, let's go. Ah, c'est pas chaud. Ouais, moi j'ai tué des mobs. Ah, c'est Chirac. L'homme se fait violent. Tu vas faire quoi ici en fait? Pourquoi tu parles à une pyramide? Tu parles à une pyramide, tu te rends compte que tu parles à de la pierre. On va voir si tu aimes ça. What the... Et... Tu t'es là ? C'est pas parfait. Il a dû avoir un petit coup. Des coups de savoir à n'importe qui. Ça fait chier le monde. Désolé, la grosse sauvage. Peut-être qu'un peu de sang suffira. Genre, oh le mec, ici se scarifie. Mais non, je donne du sang du chien. Ah, rien ne se passe. Mais. Moi, oh. Reste cloué. Ah, peut-être je vais méditer. Que le calme est nécessaire. C'est trop là. Ouvre-toi, bon sang. Oh. Bah voilà. Voilà. Je le foudre un peu. La violence résout tout. Ouais, c'est ça. Faut que la logique. On est des sites aussi, hein. On sera des Jedi, il aura fallu être calme. Calme, pénible. Attends une heure en méditation, en étant au-dessus du pic et je sais pas quoi d'autre. Ouais, tu me chantes. Voilà. Comme toi en fait, tu dois être à méditer devant. Ouais, moi je médite 7 secondes et après t'as une grosse bestiole qui apparaît, alors t'as rentré à intermédiaire. Hop, voilà. Je connais qu'il va être content. Parce que j'ai t'as eu du stuff bleu et pas moi. Ouais, niveau 6. Dieu, tu la sors en avance, ça me fait chier là. J'ai aucune idée.
Ne joue pas comme ça. Moi je me plains, oui. Moi je... Parce qu'ils ont vu, ah c'est Balrog, on va lui mettre une petite avance. Alors, voyez-vous, bah tout droit. On dit c'est le PF. On leur montre comme ça. Bah, tout droit. Sinon on leur montre la... le voyage rapide. Ouais, allez. On en aura montré un peu tout. Voilà. Ah bah en gros, pour ceux qui connaissent World of Warcraft, les pierres de foyer, c'est du... Bah là, c'est un plus gros cooldown. Mais tu peux aller où tu veux. Voilà, tu découvres un lieu, tu le lock, on va dire. Bon, on va faire quoi, on va voir la meuf ou on va voir le mec? Ah bah on va faire la meuf, non? Je sais pas, on va y parler, on va voir. T'es mal, comment ça se passe? Voilà. Participer avant, voilà. Vous avez récupéré le cerveau du Tukata mutant? J'ai hâte de régler l'affaire dont on a parlé. C'est gentil? Bah, je l'ai pas encore. On a rien vu. Bah oui, Benji, on va voir la meuf. Hein. C'est une connasse. Bah non, en fait, elle est gentille. Patience est à bout. Je croyais qu'il était méchant, toi. As-tu enfin récupéré le cerveau de Tukata? C'est vrai qu'il est peut-être méchant, lui. Ou faut-il que j'envoie quelqu'un d'autre? Je préfère ça. J'ai ce qu'on m'a demandé. Oh. Putain, ouais. Merveille. Fais-moi voir. Personne n'aura à s'en plaindre. Regarde cette marbrure sur le lobe frontal. J'ai hâte de l'analyser. Tu as bien travaillé, jeune alien. C'est tout à fait normal que tes efforts soient récompensés. Ah, j'aime bien mon... Malora m'a demandé de saboter votre expérience. C'est vrai. Malora, si tu n'apprécies pas mon travail à sa juste valeur, tu n'as aucune place à mes côtés. En plus, vous voulez qu'on passe les traîtres ? Attendez, maître ! Il ment ! Je ne vous ai pas trahi ! Je reconnais la vérité quand je l'entends, Malora. Je te libérerai de mon service. Un jour. Ah, ah comment il fait de la foudre ! Ah, mais là, c'est un mec de... Enfin, dans le vivant, aussi. Ma chère, pas... ta douleur ne fait que commencer. Pas accroché. Prends ta récompense et pars. Malora et moi avons des choses à nous dire. Vous devriez me remercier d'avoir démasqué cette traîtresse. Éliminer un ennemi de l'Empire Sith est une récompense en soi. Bâtard. Va-t'en maintenant. Oh, t'as vu les bonus, ça. Alors, il donne quoi? Des bottes. Ouais, sans merde en plus. Bon, on a quoi? On a une quête à rendre là-bas. Sinon, c'est à l'académie, donc faut prendre le flag. On rend la quête? Ouais, bon, on y en... D'abord, ouais, on va rendre ça là-bas. Le ravitaillement. Ouais, ouais, ouais. C'est qui qu'il faut rendre? Merde, j'ai dépassé. Ah, c'est là. C'est la boîte? Ah, faut l'apporter au sergent Garus qui est à l'académie. Donc bah, on va prendre le... On le va voler. Tchut. Of course. Oh, un peu certain que la chanson vient d'arriver. Non. On ne pas... On va éviter de retrouver. Affichage des destinations autorisées. Oh, je me suis suivi. Non. Pervers, il me suit. Ah. Mais si, ma jolie. En fait, on dirait on serait en Égypte, t'as des hiéroglyphes de partout. C'est ça. En fait, on est en Égypte. Les Égyptiens, ils avaient raison. C'est des sites, en fait. C'est pour ça qu'ils veulent tuer les roues. Ça, les Égyptiens avaient raison. Ah ouais, il est où le mec, il est là. Eh, monsieur, j'ai fait votre quête. C'est Garus. Ah, Garus comme le mec dans Mass Effect. Ah, il est tout seul? Oui.
Je peux vous aider ? On dirait. Attendez, c'est le matériel qu'on recherche ? J'avais perdu espoir de le retrouver. Vous ne savez pas à quel point je vous suis reconnaissant. Il faut plusieurs mois pour mettre au point certains de ces produits chimiques. Ils ne vous servent pas à grand-chose, mais ils sont vitaux pour nous. Merci. Vous pouvez utiliser une partie de notre matériel en récompense. Je n'oublierai pas de parler de vous au commandant. Parfait. Oh, une taille, super. Je l'avais pas. Non plus. C'était pour vendre un peu. Quelqu'un qui vend ici, ouais. Ouais, tout le monde qui vend ici. En effet. Vous trouverez pas mieux ailleurs. Voilà. Revenez à l'occasion. Let's go, on va rendre nos quêtes de classe. Bon, on va commencer par toi cette fois-ci. Ok. Sauf si t'as envie de voir encore l'autre me maltraiter. Victime. Altiepman. Qui est là. Vous vous souvenez de moi ? Tu te souviens de lui ou pas ? J'aimerais qu'on me laisse tranquille. Je reste en travers de votre route, mon vieux. Volontairement. Ah merde. Ne remarquez rien. Il n'y a pas de témoins. Et pas de témoins, ça veut dire pas de règles. Plus de tours de passe-passe. Plus de traitement de faveur. Vous rejoindrez bientôt les cadavres de ceux qui ont échoué sur Corriban. Bon, on va se battre, c'est bien. Je me attends. Allez, dégage. Mais pourquoi c'est moi qui tape? C'est toi qui dois taper là. Genre, c'est moi qui l'a tapé. Non, attendez, attendez. Écoutez, j'avais tort. Ce qu'ils disent sur vous, c'est vrai. Vous êtes très fort. Je veux pas mourir. Ne demandez aucune pitié et n'en attendez aucune. Mourez comme un Sith. Je n'ai pas été à la hauteur, Vemrin. Blah. Défoncé. Vous êtes baf. Non mais oh. Et lui, c'est... Écoutez-moi, mais le mec, le mec est là, c'est quoi? Non, en fait, il était dos. On doit faire vite, Acolyte. Je n'ai rien vu. On n'a pas beaucoup de temps. Je me suis peut-être légèrement trompé dans mes calculs. La créature de Marc Aragnos était une source d'énergie noire puissante sur Corriban. Quand elle est morte, la force a vibré. Dark Barras a ressenti cette vibration et a pris conscience de votre présence. Aha. Il veut vous rencontrer. Bien. J'attends ce moment depuis très longtemps. Après l'avoir rencontré, vous regretterez de ne pas avoir eu plus de temps pour vous préparer. Barras est un homme sérieux, mais c'est un maître de l'illusion. Tout ce qu'il fait et dit est mûrement réfléchi. Il essaiera de vous prendre en défaut. Il testera votre nature. Il voudra voir qui vous êtes vraiment. Prenez-le toujours au sérieux. Je dis bien, toujours. Je m'occuperai de Dark Barras. En général, c'est Barras qui s'occupe de tout. Bon, on ne se reverra peut-être pas, Colite. Vous êtes notre meilleure chance d'arrêter Vemri. Si vous échouez, j'ai bien peur de ne trouver personne d'assez fort pour vous remplacer. Bonne chance. Je suis... Allez trouver Dark Barras chez lui. Faites vite. Il n'aime pas attendre. Il me donne quoi? Un pantalon. Bon, il aime pas attendre, mais on va passer par chez moi avant. Bah ouais. Normal. Tout à fait. On va faire ton truc, on va se tester dessus, parce que je crois que ça en a déjà 50 minutes. Oh. Ah, ça passe vite, hein. Ça passe trop vite, hein. Ouais. C'est un peu ça, la vie des youtubeurs. Et on y va.
Il y a des vidéos à faire. Non, en fait, non. À filmer. À filmer, ouais, c'est déjà mieux. Il y a des épisodes à filmer. Ah, y a pas. J'ai pas d'agro, moi. Non, toi, tu te fais pas agresser à tous les coins de rue par des mecs que tu connais pas. En fait, moi, c'est le mec que je connais qui m'agresse. Tu as intérêt à ne pas me faire perdre mon temps. Bien sûr que je l'ai, connard. Tu as intérêt à avoir l'holochrome. C'est un faux. Ou bien tu l'as volé. Oh la mauvaise foi. Je m'occuperai de toi plus tard. D'abord, c'est l'heure de faire une nouvelle démonstration. Gurr, avance d'un pas. Oui, surveillant. Fogg, tue-le. Avec plaisir, surveillant. Meurs comme un lâche. Il s'est même pas battu, quoi. J'aurais dû essayer. Hein. Que Gurr soit un exemple pour vous tous. Fon l'a tué facilement. Avec qui? Et il fera pareil avec oui, moi. Je veux qu'il me batte. Des objections? Vous ne faites qu'alimenter notre force, Harkoon. Et tes commentaires ne font que précipiter ta perte, esclave. Bon, vous connaissez tous la prochaine épreuve. Partez. Toi, esclave, reste ici. Alors, esclave, tu penses que tu as été assez maligne pour me ramener l'holochrome, n'est-ce pas? Bah oui. Arrêtez vos sarcasmes et parlez-moi de l'épreuve suivante. Si tu veux vivre encore un peu, ne me parle plus jamais sur ce ton, esclave. Bon, voici ton épreuve. Il te déteste. Les derniers et les plus noirs des secrets moi aussi, je la déteste. De Toulak Horde sont enterrés dans son tombeau. Le seigneur Zash veut ce document. Mais la dernière demeure de ce seigneur n'est pas facile d'accès. Tu ne seras pas la première à y mourir. Je buirai pas. Hein. Oh là, ce mec. Oui, c'est toujours le même scénario. Vous m'envoyez dans un tombeau dangereux pour que je me fasse tuer et je reviens pour vous prouver que vous avez eu. La ferme, esclave. J'en ai assez de tes railleries. Pas la peine de revenir si tu n'as pas récupéré le texte dans le tombeau de Toulak Horde. Maintenant, hors de ma vue, esclave. Oh putain, comment il te traite. Il te traite comme une merde. Ah, j'adore ce type. Bon allez, on va se laisser là-dessus. On se retrouvera pour le prochain épisode. Ciao, ciao, ciao.